C'est le chef, non, le chef des Goombas. Oh non, ça y est. Oh, oh c'est non. Le chef des Goombas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est Zemmour. C'est le gars pour qui il a voté en 2022. Eric Zemmour. C'est le Z, c'est le Z. C'est le responsable. Zemmour, il a les yeux clairs là, il a les yeux marrons. C'est. Je connais bien le physique d'Eric Zemmour. Oh, Zemmour. Ce qui tombe bien, c'est que DS Stade Wario, c'est vraiment une map Zemmourtière en vrai, je trouve. Je pense que les gens qui aiment cette map votent Zemmour, voilà, je le dis. Bah, moi j'aime beaucoup cette map et figure-toi que je vote Zemmour. Un texte sur Zemmour. Pas ouf. En vrai, ouais. Un peu limite sur certains sujets. Il ressemble à Timothée Chalamet. Il n'a pas raison partout, dirons-nous. Timothée Chalamet. Ah oui, c'est Timothée Chalamet plus vieux, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on avait cette réalisation là. Très exactement. Putain, ça doit être trop chiant, n'empêche. C'est des clones. Pour ressembler à Timothée Chalamet. Ouais, de fou. Ouais, je pense que ça va me saouler de fou. Il doit se faire confondre à chaque fois. Ouais, excuse-moi, Eric Zemmour. Non, c'est Timothée Chalamet encore. Oui, bon, d'accord. J'ai pas entendu la blague, ça avait l'air drôle. Dommage, on en fera pas. C'est pas grave, dans la VOD qu'il y en a. Tu veux pas aller. Laisse-moi. Je suis en mode run TikTok. Ouais, qui c'est qui balance une bleue là? Bah attends, dès que je peux, je peux le faire, mais. Ma run, c'est de l'ASMR là. L'ASMR est terminée, les amis. Oh non, je le trouve trop beau, Timothée, mais je trouve Zemmour moche, ce n'est pas possible. C'est parce que la beauté, elle est dans le cœur finalement. Zemmour sans carré noir, donc du coup, forcément. Je suis pas sûr, hein, pas tellement, je pense. Hein. Tu peux pas dire ça à Zemmour, je pense qu'elle lui fait très très blanc son cœur. Ouais, je pense qu'il est très 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 blanc. Bon, quelqu'un tue étoile là, s'il vous plaît. Oh. Putain, mais j'ai l'impression de faire tout ce que je peux, mais putain, je suis quand même nul quoi. Oh non! Je suis sacrifié, vraiment. Moi aussi, je me suis sacrifié pour le beau jeu. Pourquoi c'est Zemmour qui gagne? C'est vraiment. On s'est sacrifié pour que Zemmour y gagne, c'est quoi cette histoire? Se taper à la fin, voilà, bizarre. En vrai, Pompon, tu peux pas faire gagner. En vrai, je vais changer de mic. Je suis désolé pour le TikTok étoile. C'est-à-dire que tu fais tout bien et c'est Zemmour qui gagne à la fin, quoi. C'est horrible. Vraiment, la moralité de ce TikTok est horrible, étoile. Je suis désolé. Et donc là, Zemmour a empêché un arabe de faire premier. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. La suivante, sans lunettes, no talking at all. À poil. No talking. Putain, mais j'ai été à chier alors que j'ai pas parlé! Là à droite, là y'a un truc là, à droite y'a des pièces et tout, mais je comprends pas. C'est bien, mec. Mais ça fait... Tu nous dis à chaque fois! Mais allez voir! Non, mais allez voir parce que. Ah non, j'y vais pas, ça a l'air nul! Moi je pense qu'il faut qu'on y aille parce que sinon JD il arrivera pas à passer par-dessus ce trauma. Il arrivera pas à passer. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Pardon. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont mis. C'est valide de ne pas comprendre. Vraiment, ça te fait un détour vraiment genre de 3 secondes et tu récupères une pièce. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends que ton esprit soit tracassé par cette information. Ça marche trop avec tout le reste du jeu. Voilà. J'ai les yeux grands ouverts, incapable de dormir. Mais pourquoi ils ont mis ça là-bas ? J'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Oh non, tu votes ça. Mais on vient pas de la faire ? Si, vous êtes pas allé au raccourci. Mais quel raccourci ? Ah non, putain ! Ah oui, ton truc des pièces là. À l'endroit, à l'endroit où on passe au-dessus de l'eau, il faut aller full à droite. Ok, mec. Je ne vais jamais faire ça. Je le fais aussi pour que ce soit équilibré. Ok, mais je le ferai pas moi. Moi je le fais. Mais si, fais-le. Ok, je le fais pas. On est là pour le fun, après tout. Antoine, j'aimerais que tu fasses des efforts pour la communauté dans laquelle on est ce soir. C'est le nouvel easter egg du jeu, juste, donc faut aller voir. Voilà, c'est à cet endroit-là, à cet endroit-là, à droite. Non, à droite, droite, genre droite de fou. Genre là, la droite montre. Genre là, il y a des pièces. Mais c'est trop nul ton truc, putain. C'est incroyable, mais il est non. Mais what? Ils m'ont fait revenir 10 000 ans en arrière! JD, t'es une merde, tu t'arrêtes la course, JD! Vous l'avez vu? Non, mais vous avez vu qu'ils ont. Ta gueule! J'étais premier, je suis 8ème à cause du raccourci! T'es pas premier, Antoine, c'était moi la première en fait, arrête! Mais Ponce, on est d'accord que c'est trop bizarre! C'est trop bizarre quoi! Antoine, t'es mute ou tu boudes? Je suis là, je boude. Non, il est mute, il s'est pas rendu compte. Je suis mute là? Ah putain, je suis mute! Oh, je suis mute depuis une game! Voilà, il va faire ça. J'étais mute! Putain, mais je me rends pas compte en fait. En fait, je me suis dit la prochaine fois, je te le dis pas pour voir au bout de combien de temps du temps. Oh, c'est gentil ça, merci. Mais putain, Ultia! T'es
plus chiante, voilà. La reine des connasses. Ah, voilà. La reine des connasses, ouais. C'est vrai que je qu'elle était très calme sans Antoine. Mais oui, moi aussi, je me suis dit, mais putain, mais c'est chill, là, mais oui, la personne qui hurle en permanence. Moi, je hurle pas, en plus, ta gueule. C'est ok, je ferme ma gueule, ok. Hey. Service. C'est mieux quand tu la fermes, bro. Quel est le nom de la souris compagnon de Dumbo dans le grand classique de Disney? Florence, c'est pour toi celle-là. Non, je ne sais pas. Quoi? J'ai vu Dumbo qu'une seule fois. Quoi? Je vois la gueule de la souris, mais je me moi, je la vois même pas la souris. Moi, pareil. Est-ce que vous connaissez Monsieur Chalamet? Oui, c'est Timothée. Timothée. C'est Timothée. Oh, j'aurais jamais trouvé. Mais normalement, oui, mon talent nul, c'est de savoir les noms, non pas des personnages secondaires dans Disney, mais des personnages tertiaires. Ouais. Bah, apparemment, non. Genre la souris dans les Aristochats, je apparemment, non, pas tellement, tu vois. Bah, non, mais celle-ci, je le connais pas de. Bah, oui, bah, donc. Au moins, un talent, c'est tout savoir. Hein. Et tous les nains de Blanche-Neige, je pense. Il y en a toujours un que tu oublies, c'est ça que les 7. Allez, allez, non, attends, je. Ah, mais attends, mais j'ai besoin de mes doigts pour compter, en fait. Bah, tu les as sur toi, non, à ce que je sache. Tu les visualises. Joyeux, grincheux, dormeur. Joyeux, grincheux, dormeur, oui. C'est 3 là. Ouais, bah attends, je suis là. Il met tellement la pression, c'est. Attends, mais en plus, je suis en train de jouer. C'est là pour l'instant, c'est 3, il en reste 4, donc plus de la moitié pour le moment. Pour l'instant, c'est pas moyen. 1, 2, 3. Il y en a un, c'est une onomatopée. Je crois, non? C'est O et O? Quoi? Non, non, pas E et O, non. Oh, t'as déjà vu ce film? Oh non! Non, il y en a un, il ressemble pas, ça ressemble pas au reste. Elle a dit EO EO, je crois que je suis mort. Genre EO EO, le nain dans Blanche-Neige, mais t'es bourré. Un peu en décalage avec le reste. Non, pas du tout, non. Si, il y en a un qui s'appelle. Ah oui. Non, j'en parle un qui s'appelle Plouf, mais tu vois, je suis dans le boulot, tu vois. Oui, 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 ça ressemble, ça ressemble. Il me semble que Josiane est là. Mais Florence, t'en as pas d'autres là, vraiment? Bah attends, mais je. Parce que moi je les ai là. Qui est Loulou, non? On attend quoi? Oui, Hachoum, oui. C'est ça l'onomatopée? Oui, oui, tout à fait, Hachoum. Putain, ah oui. Non, je pensais à un autre. Genre, il y a prof. Oui. Oui. Oh, ok. Il en manque deux là. C'est quand même assez énorme. C'est trop dur les sept noms. Moi, je trouve ça assez simple. Eh ben, simplé. Bah. Oh, simplé, c'était mon préf. Bah ouais. Tu as oublié ton préf. T'es comme moi en fait. Oh non, t'es pas simple. Et le dernier, c'était quoi? Tyrion Lannister. De la maison Lannister. Il attendait que ça de le lâcher. Quel connard. Quel artiste est à l'origine de ces célèbres petits personnages? Quel petit personnage? Quel petit personnage? Bah, moi je les vois perso. Donc, Ok. Bah, Shigeru Miyamoto. Ok, je vais essayer de vous les décrire. Ok. Par exemple, il y en a un connu où genre c'est deux personnes qui tiennent un cœur. C'est dessiné en noir et blanc. C'est Banksy. Ah. C'est pas Banksy hein. Non, non, c'est pas Banksy. Après, t'en as un autre... Mais mon chat, là, je crois. Kiss Haring. Ouais, c'est ça. Kiss Haring. Oh, oui, d'accord. Okay. Et franchement, ils sont forts dans le chat pour voir... parce que j'ai... Ils sont très... Mais tu sais, moi, dans mon chat, c'est des gens très intelligents, vraiment. Oh, le suceur fini. Quoi? Pardon? Tel chat, tel Moumoun. J'ai un peu une haine de cet artiste qui est un peu dur par rapport à ce qu'il m'a fait, mais... T'as fait quoi? T'as fait quoi, Kay? Mais je sais pas, genre, je me dis, c'est assez simple ce qu'il fait. Et alors? Bah, tu l'aurais fait, toi? Et toi, ton métier, il est dur, Florence? Tu joues à des jeux vidéo et tu gagnes de l'argent, Florence? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, Florence? Donc c'est la prochaine fois que tu parles, on va péter. Bah oui, attends, c'est un peu simple ce qu'il fait dans la vie. La meuf, elle est en train de faire son métier, c'est jouer à Mario Kart, là. Là. Pitié. Ok, mais vous avez envie d'avoir un tableau de Kefaring chez vous? Non. Et pourquoi? Est-ce que vous avez envie de regarder les streams de Angus? Non plus. Oh putain, l'ambiance, c'est top. Quelle fleur est réputée pour sa mauvaise odeur? Bah, c'est enfin. LOL! LOL! Quand même! Le rire est déclenché par ceci. Une fleur réputée pour sa mauvaise odeur. Ah oui, c'est vrai! La raflésie, me dit le chat. Ah alors, oui! Là, moi, je pensais parler des espèces de buissons fleurs qui sentent le sperme. Pardon? Vous avez pas l'arrêt? Non. Qui a appuyé sur le bip là? C'est mon... Pardon. Mais si à côté de mon DUT, il y avait un arbre, et quand l'arbre il était en fleur, ça vraiment ça sentait le ça sperme. Ça sent le sperme, je suis assez d'accord, ouais. Assez d'accord. En tout cas, tu m'as l'air bien familière avec l'odeur du sperme, je vais pas te mentir. Cette phrase est un peu bizarre. Quelle fleur est réputée pour sa mauvaise odeur, messieurs dames? Non. Il y a des probables. Fleur de chèvrefeuille, fleur de mimosa, fleur de seringa, fleur de colza. le seringa? N'est-ce pas? Colza. La bonne réponse était colza. C'est quoi derrière voilà. Non mais c'est comme le saucisson. Vous trouvez pas que des fois la peau de saucisson sent un peu le sperme aussi? J'allais dire. Bah, tu rigoles. Je viens de le dire. Il sentait aussi un peu le saucisson. Ah j'ai entendu. Et bah oui, parce que la peau du saucisson, ça sent grave le sperme. Je suis d'accord. Si, je suis d'accord. Il y a des relents de sperme. Je sais pas pourquoi.
Mais c'est vrai. Attends, mais t'es pas sérieux là ? C'est non, pas comme quand les non, c'est pas comme quand les gens ils pensent que la transpiration ça sent la weed. Oui, ça bah, ça c'est vrai aussi. Mais oui, bien sûr. Mais non, c'est pas odeur, genre si à ce point vrai, vous en souveniez quoi, je dis non mais Florence. S'il te plaît, à d'autres Florence. À d'autres Florence hein. Non mais je t'encourage. Mais tu sais que la transpiration avec la weed, c'est véridique, c'est juste qu'il y a des molécules qui sont extrêmement proches. Dans les trucs olfactifs, ouais, vraiment, c'est pas une vanne, hein. Tu peux te renseigner exactement comme la bière aussi. Tu peux te renseigner, ouais, c'est ça. allez le conspi là. Allez le conspi là, c'est bon. Vous êtes trop chiant, putain. Regarde les vidéos, tu vas voir. Mais je veux dire, c'est pas inventé du coup. Quand tu manges du saucisson, tu dis putain, j'ai l'impression de bouffer du sperme. Exactement, à chaque fois, 100% du temps. À chaque fois, je vous pense ça, je fais oh, qui a éjaculé dans la. Tout le temps. C'est trop bizarre de penser ça en vrai, je trouve. Bah, pourtant, c'est ce que je me dis à chaque fois. Ouais. Ah, il y a 12% du chat qui trouve que le saucisson sent le sperme. Enfin, la boue de saucisson. Mais vous êtes des ouf. Non, non, excusez-moi, c'est Notol saucisson. Ça non, mais, dépend. Mais vous êtes des ouf. Mais je te jure, mec, je te jure, on sentira un saucisson la prochaine fois. Non, c'est bon. Cet arbre, vraiment, une fois sur deux, il sentait soit le sperme, soit le saucisson. Florence. Tout à fait. Let's go. Odeur, saucisson, sperme. Premier lien, c'est jeuxvideo.com, l'odeur du sperme, on en parle. Le mien a l'odeur du saucisson, et vous, c'est à l'odeur de ce qu'on mange, Ray. Tu sens ton sperme, l'auteur ? Bordel, je viens de me moucher dans mon mouchoir à sperme et ça sentait le pot de saucisson, je me suis dit pareil. Ah non, mais ça bobine. J'ai l'impression de débuter sur Mario Kart. Débuteur!